tourne. J'ai positionné 15 de mes hommes avec leurs fusils à main garante. Et vous faites quoi tous les deux là? Vous m'aidez ou vous faites un potager? Wow, mais qu'est-ce que c'est affligeant la publicité de nos jours! Il a un VPN! Pouah, toujours des jeux merdiques ou alors des trucs qui servent à rien. Genre, c'est quoi un VPN? Nous sommes accompagnés du secrétaire d'État, monsieur Gabriel Attal. Le décodeur de Norman, présenté par le CIC. C'est le président de la République qui nous a demandé de faire une vidéo. Tu vois, la vie, hein, faudrait vraiment balayer hein, tous ces charlots qui nous vendent des trucs qu'ils ont jamais testés de leur vie, je suis sûr. Avec Warface, la guerre se passe. Tiens, est-ce que je te vends du shampoing, moi? Non mais, est-ce que vous vendez des jeux vidéo, en fait? Parce que ça fait un moment que vous parlez tout seul, et moi... Tu sais ce qui était stylé à mon époque? Je sais pas, le World Trade Center? Ah non, ça c'était au pif. Non, les pubs pour les céréales. Ah. Ouais, exactement, c'était deux fois mieux animé que les vrais dessins animés, avec cette mascotte-là qui te conditionnait à bouffer ses merdes sucrées deux fois par jour, rendant toute une génération accro au sucre, voire diabétique. Et ça, c'était censé être stylé. Non, tu comprends pas, c'était vraiment la classe. Et puis c'est grâce à ce genre de truc qu'on se souvient de chanteurs comme Dio avec la pub Sironimo. Everybody's got to live together. Non mais attendez, vous êtes cons ou quoi? C'était surtout le chanteur de Black Sabbath. Et puis c'est grâce au pub qu'on se souviendra tous de la chanson de Carlos. Rosalie, Rosalie. Oasis, Oasis, c'est bon, c'est bon. Oasis, Oasis, c'est bon, c'est bon. Non mais vous regardiez autre chose que les publicités en fait? Ah mais non, on n'avait pas le droit à la télé. Mais quel genre d'éducation vous avez pu avoir? Mais la meilleure, justement. Tout ce que je sais sur les femmes, par exemple, je l'ai appris dans les publicités. Ça et un petit peu mes ex. Mais qu'est-ce qu'elles en savaient au fond? Leur règle était même pas bleue. Oui. En effet, ça paraît dingue. Attendez deux secondes, j'ai gardé même une petite sélection dans son jus sur cette VHS. Après visionnage, vous aussi, vous serez un expert. Ou alors, rencontrer des filles sur Tinder, comme tout le monde, non? Des filles dans les Kinder. Il s'agirait de grandir, mec. Hein. Rue gamin. Voilà, ça, c'est la France à l'ancienne que j'aime. Eh, hey, mais Paris était vachement propre à l'époque. Pour partir au boulot. Rue Gamard. Il y a aussi le garagiste qui se tâche, c'est pas triste. Faut quelque chose qui fait le poids pour enlever ces tâches-là. Vous remarquez pas comme un pattern à chaque fois? Il y a la fille qui est toute blanche, jolie comme un dimanche, propre comme un sous-neuf, comme un printemps tout neuf. Rue Gamard. Oui, Gamard. Fais mieux le poids contre toute la saleté. Et puis regardez, chaque chose à sa place, hein, ils ont chacun une bonne femme qui fait la lessive pour eux. Ah, c'était le bon temps. Non mais, vous êtes au courant que c'est une pub, pas un documentaire? Pardon? Rue Gamard, rue Gamard, rue Gamard. Gamma, notre linge est blanc, nous aussi. Celle-ci, attention, grosse BO. On a les droits pour diffuser ça? Ah! Oh, mais la flemme, ça va être ridicule avec une musique libre de droits! Ah, mais regarde-moi cette fougue un peu! Le mec s'embrouille avec sa nana et tape ses meilleures donuts dans le désert pour la traiter de salope visible depuis l'espace! Mais quand même, hein, c'est là que tu dis que le niveau de vie a grave baissé depuis, hein. À l'époque, on pouvait pécho une 10 sur 10 en 205, et même la traiter de pute. Ah ça va, c'est gentillé, c'est juste écrit « garce ». Ouais, mais attends, t'as pas vu la version 2020? Ah, il y avait ce je-ne-sais-quoi de rêveur qui cultivait l'imaginaire dans les publicités, tu vois. Tu pouvais mettre des martiens dans une pub pour les pâtes au beurre et ça marchait. Quoi? Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour goûter à mes lustre-cru? Oui. Mais vous n'êtes pas un peu fêlé? Y a pas de fêlé chez lustre-cru. Attendez, pourquoi il défend le tablier de la vieille, là?
Je vois pas pourquoi, en effet, non, ces martiens ont l'air très bien intentionnés. Qui c'est qui me ramène? Ramener? Non. Pour le fumier des pâtes. On est d'accord que c'est un kidnapping à la fin. Roule 34, Luce, tu crus quoi? Bon, restons chez Lustucru, mais un peu plus loin en arrière. La morne vie fut changée par l'agence matrimoniale Marie-Vite et le gratin de pommes de terre Lustucru. Parce que non seulement mon petit père on pouvait pécho en 205, mais même draguer avec du gratin en boîte. Georges Rabouin mitonnait le succulent repas. Comment serait-elle ravissante comme dans les contes de fées? Hélas, la vie est moche. Et malgré ses 1m80, elle l'était également. Oh, même avec une calvasse des Carpates, on pouvait faire le difficile. Intéressant. Et pendant que le gratin gratinait, Georges dissimulait à peine sa cruelle déception. En plus, le mec avec le physique de Gérard Jugnot, il fait la fine bouche juste parce qu'elle a un bonnet. Mais elle doit être récente, cette pub, il a la même gueule que maintenant. Eh ben, détrompez-vous, en fait, il a même pas la trentaine. Non, il est juste né vieux, comme Sim. C'est vous dire l'âge qu'il avait quand il s'est mis au rap. Je me fais des cheveux pour que dalle, c'est peut-être pour ça qu'ils se font la malle. Eh oui. Tout à coup, et c'est à peine croyable, le merveilleux gratin produisit un miracle. Ah non, mais attendez, regardez, elle devient bonne grâce au gratin dauphinois. Mais c'est ouf! Elle enlève juste ses lunettes et ça change tant que ça? Exactement, parce que les gens avec des grosses lunettes sont des monstres dans notre société, ok? Moi, le confinement, c'est toute l'année! Georges, tu m'intéresses. Bravo, les gratins Lustucru. Et dans la série passif-agressif, voici le champion Thierry l'Ermite. C'est quoi ça? Attends, bouge pas, je vais deviner. Mmh, c'est de la blanquette, ça, hein? Oui. Hein? C'est la première fois que t'en fais, non? Ah! Mais il pourrait fermer la bouche quand il mâche, quand même. Ouais, je sais pas, c'était du mukbang avant l'heure, là. Moi, ça me répugne, ce genre de bruit. D'ailleurs, mon médecin m'a dit que j'étais misogyne. Non, c'est misophone. Non, il a bien dit misogyne. Mais il est bon, ton riz. Très bon. Picole pas. Bravo, mon minou. Si un jour tu refais de la blanquette, remarque que t'es pas obligé, le riz, tu le fais pareil. Riz Lustucru, incollable. Il aime. Bah vous voyez, tout est bien qui finit bien. Il aime bien son riz et puis elle est contente. Aucune anxiété dans son regard. En 1979, le corps de Jacqueline Savignol a été retrouvé dans sa cuisine, avec du riz Oncle Ben's à la main. Son meurtrier, lui, court toujours. Bon, en soi, Thierry l'Ermite et Gérard Jugnot qui bouffent le sucre, tu vois, j'arrive à y croire. Par contre, Coluche et une huile pour moteur. Il a pas de beau frère, vous lui direz Mobile œil super de ma part. Par ici. Il va être content. Ça aurait été quoi aujourd'hui? Ah, les mecs ils disent ouais, tout ça, on peut plus acheter des organes sur le dark web, tout ça. Ils sont cons, les mecs. Alors moi je dis non. Ah, ils connaissent pas NordVPN, les mecs. Couscous. Couscous, moi je l'adore celle-ci, j'ai même le single. Sopiquet, ah viande, aux légumes ou au poulet. Sopiquet, le couscous, t'as rien à faire, c'est déjà prêt. C'est toute débute là, on est d'accord? Ah bah oui, carrément, sopiquet. Qui nous fait le couscous, le bon couscous qui nous plaît. Sopiquet, c'est comme une fête, qu'est-ce que mange entre amis? N'empêchez d'être cette pub, hein. Vous avez vu comment ils étaient tous habillés? Tiens d'ailleurs, en parlant de travailleuse du sexe, tu te souviens de cette pub où un mec va au bois de Boulogne, on sait pas trop pourquoi, et puis tout à coup... C'est combien? C'est combien? 159. Mais vous allez me sucer après? Pas du tout. Alors? Mais vous êtes des VRP ou des TDS, lol? Quel beau soulier. J'ai un billet de 500 francs. Maintenant que j'y pense, il y avait vachement de sexe ou de sous-entendus sexuels dans les pubs. Genre par exemple la végétaline. Non mais comment ils peuvent sexualiser des frites? Les frites.
bien dorée, croustillante, mignonne à croquer, les frites à la végétaline. Et si légère, les frites non huileuses. Mais vous avez vu le niveau un peu? Ça vous a donné envie de baiser des frites, vous? Bah non. Exactement, moi non plus. Route 34, végétaline. Ah, mais au moins Perrier, là, y a pas de risque. Oh. Oh là. Oh, je sais pas vous, mais il fait chaud tout à coup. Mais la clim est en panne, c'est pas possible. Ah, oh, je viens de comprendre, mais elle est dégueulasse la pub Perrier en fait. Alors, je comprends pas, pourquoi c'est la main d'une vieille cougar? Hey, mais c'est peut-être pour ça que Corbier disait « laisser les mammifères ». Du cul pour les boissons, du cul pour les frites, non mais pourquoi pas les bons becs? Bonjour, je m'appelle Michoko. Oh, mais c'était pas un défi! Et je suis sa créature. Mon parfum, chocolat de la pie qui chante. Je n'ai connu des oiseaux, mais des comme toi. Michoko, de la pie qui chante. Mais c'est vachement plus malsain que Téléchat, là! C'est carrément Téléchat! Attendez, il y a un autre truc, là. Pourquoi cette femme aurait le goût de chocolat, d'abord? Pub suivante. Mais même 20 ans plus tard, hein, les pubs suintaient pas mal le sexe pour un oui pour un non, hein. Regardez celle-là. C'était un piège. T'as déjà vu une Toyota Corolla tomber en panne? Putain, ils l'ont échappé belle quand même, c'était un chauve! C'était un piège. Ça n'a sera l'entravelot, il me fait le coup tous les vendredis. Non mais, même si c'était un masque, le mec était super bien gaulé, c'est quoi la logique? Donc, on s'est tous mis d'accord, le brief c'est que pour la nouvelle pub Toyota, on fait un casting d'un homme chauve, 35-45 ans environ, plutôt badass, hein, façon Etchebest, mais, alors ça c'est super important, qui serait aussi bonne, hein, donc Etchebonne quoi finalement, voilà. Ok, bougez pas, j'ai l'air de la situation. Oui, chérie? Spontex présente Spidex, la serpillière qui s'accroche au balai. Souple, douce, légère. La Spidex est aussi très solide. Souple, douce, légère et solide? On dirait ma recherche sur Badou. Elle est si bien accrochée au balai qu'elle peut pas se décrocher. Et même qu'elle voudrait, qu'elle pourrait pas. Aledge a subi présentement un kidnapping contre ma volonté. Ceci est le visage de mon absence de consentement. Appelez la gendarmerie municipale MDR, je suis une serpillière, lol. Ah ouais, mais j'ai fini par comprendre. Non mais c'est subtil comme métaphore aussi. Spidex, de Spontex, la serpillière très attachée au balai. Mais attendez, là, l'autre nana, elle a l'air beaucoup moins absorbante. D'ailleurs, on dirait même pas qu'elle absorbe, mais plutôt qu'elle avale. Mais en parlant de logique, hein, voilà une pub que j'essaye encore de comprendre. Ça fait un petit caprice? Ici? Tous les deux? Ah bah là, ils vont baiser, c'est un sous-entendu. Terminus! Tout le monde descend! Ah caprice à deux, caprice des... Eh non, parce qu'ils mangent vraiment du fromage! Si tendre qu'on ne veut le partager qu'à deux. Ah ouais, merde! Mais justement, pourquoi il a tout le monde au début? Il n'y a pas de honte à manger du fromage! Ah bah si, regardez, il baise à la fin. Caprice à deux, caprice des dieux. Ah oui, autant pour moi. Mais alors pourquoi il mange du fromage avant l'amour? C'est un nouveau king dont je suis pas au courant. Roule 34 caprice des dieux. Démarquez-vous! Mais regardez, même les tickets de métro nous étaient vendus sur un cul! Me dites pas qu'il y avait pas un thème! Même les malabars! Ou devrais-je dire les malanibars? Malabar! Le pompon, ça reste cette pub là. C'est quoi déjà cette pub? Oh! World of War! Mais ça a l'air vachement bien!
Ah! Ça a dû vous niquer le cerveau à l'époque. Après, ça a pas non plus fait de nous des pervers, hein. Quand il y a rien à la télé, choupinette et moi. Crac, crac. Qu'est-ce qu'on fait après le combat? Crac, crac. Quand les mecs sont au foot, Odile et moi, crac, crac. Cracotte? La tartine craquante? Oh, et puis merde, les cracottes, vous rendez compte? Oh, pff, allez, une petite dernière, et celle-ci, je vous promets qu'elle sera normale. Philibert Jacquet, c'est moi. Je suis l'esprit du pain Jacquet. Vous allez vous régaler avec mon maxi Jack. C'est parce que ses tranches sont maxi larges et maxi moelleuses. Ravi que ça vous plaise. Chérie, t'as pas vu mon t-shirt? Hé hey. Mais attends, elle entend pas Philibert qui la tripote là? Ravi que ça vous plaise. Mais pourquoi le fait de kiffer une tranche de pain lui donne envie de faire croquer sa femme sans même la prévenir? Et que c'est un fantôme qui porte un t-shirt ou un t-shirt possédé, je comprends plus rien à votre truc là. Non, c'est pas un fantôme qui porterait un débardeur, non, c'est le fantôme, c'est le débardeur, donc quand la nana, elle enfile le truc comme ça avec ses gros nichons qui sont là, et ben en fait le fantôme il fait genre, pas mal ça tu vois, parce qu'en fait c'est elle qui enfile le fantôme alors que en fait c'est le fantôme qui enfile la femme. Pas de mine. D'accord Michel, c'est... on a combien de buts pour ça? On a tout mis, c'est en 3D. Attendez, le pain de mie est super moelleux, donc le mec paye sa meuf? Ah, elle est bonne ma femme, pas vrai Philibert Jacquet, vas-y éclate-toi, de toute façon elle sait même pas que t'es un fantôme. Moi je suis coq alors je suis ravi que tu la baises. Maxi Jack de Jacquet reconnu saveur de l'année. Ravi que ça vous plaise. Bon au moins, ce qui est bien, c'est que Philibert Jacquet n'existe pas vraiment, sinon il se retournerait dans sa tombe. Non, il existe. Mais attendez, il y a une suite! Quoi? C'est moi, Philibert Jacquet! Je suis l'esprit du pain Jacquet! En plus, il a changé de voix, c'était la voix du mec de la première pub! Est-ce que ça veut dire que Philibert Jacquet vole l'âme de ceux qui mangent son sandwich? Non, je pense que le comédien n'était pas dispo. Oui, ou le comédien avait pas le temps, peut-être! Il est maxi large, mon maxi Jack! Ah, c'est ça qui se passe au Cap d'Agde alors! Il est maxi moelleux! Du pain moelleux comme un cul? Trop moelleux. Ravi que ça vous plaise. Et maxi savoureux. Je pourrais avoir Comet. C'est le gars du Palmachot, non? Maxi Jack de Jacquet. Ravi que ça vous plaise. Après le cul, et puis le mec qui se fout à poil, tu vois, tout le monde prend son pied là sur le pain de mie, et il y a une meuf, tu vois, on casse quelqu'un qui a pas l'air de trop baiser dans la vraie vie, qui fait genre, ça a l'air bon ce pain là. Michel, vous êtes bourré, ça se voit. Hey, vous achetez toutes mes idées aussi, c'est un appel à l'aide ça! On a tous nos problèmes, Michel. Bon, c'est quoi la suite là? On n'a pas que ça. Pute vénale qui trompe son mari avec un t-shirt qui vole et au lieu de baiser, il mange du pain de mie. Il est vraiment trop fort, je peux pas dire. Bravo Michel, pas mal. Ça part en prod. One week later. J'ai épousé Aristote par amour. Et Philibert. Pour le plaisir. Philibert Jacquet, c'est moi, l'esprit du pain Jacquet. Elle veut parler de plaisir de mie, mon nouveau pain de mie. Quel plaisir. Ravi que ça vous plaise. Moi aussi, je veux du plaisir. Mais bien sûr, Choupinet. Oh, Choupinet. Ravi que ça te plaise. Plaisir de mie de Jacquet. Ravi que ça vous plaise. Ivana a 25 ans et elle est en couple avec le fantôme de Philibert Jacquet. Mais celui qui paye les factures, c'est Aristote, son mari. Une tranche de vie avec ce trouble qui pratique le polyamour à sa manière. Ah ouais, quand même, ça s'est pas mal barré en couille après ma génération. Hein. Ah, si seulement je pouvais retourner en arrière. Déjà, j'installerais pas Dofus. Bah moi, j'aurais acheté des bitcoins. Oh, mais oui! Maintenant que vous le dites, j'ai justement eu une vision pour miner du bitcoin avec une efficacité maximale. Quelque chose qui m'est venu dans l'esprit après m'être cogné la tête en essayant de ramasser mon chewing-gum. Vous parlez de celui qui a ma chaussure, là? Ouais, c'est ça, c'était la semaine dernière. Voilà ce qui m'est apparu en vision. Vous avez
beaucoup de temps libre, vous, je me trompe? Mec, c'est une boutique de jeux vidéo en 2021, bien sûr que j'ai beaucoup de temps libre. Donc vous avez fabriqué un chiotte, c'est ça? Voilà mon idée. Si seulement les cartes graphiques les plus puissantes du marché peuvent miner du Bitcoin, alors l'alliance du Super Nintendo Zoom mêlé au Blast Processing ainsi que le scaler du Mega CD devrait produire une mini-fission nucléaire me rapportant 1000 bits. Coin. Coin? Bitcoin. Bitcoin. Oui, je crois. De toute façon, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Vous inquiétez pas, j'ai suivi un tuto par un mec qui était sponsorisé par Herbalife. Non, vous êtes sûr qu'elle est compatible pas le CECAM? Pardon? Oh non, ma boutique! Mais qui aurait pu prévoir ça? Toi, Benzaï! Oh, vous êtes vivant? Wow, monsieur! Vous êtes encore en vie! Et vous connaissez mon nom? Oui, je dois t'avouer un secret. Jean-Guy! Mais pourquoi? Ma boutique! C'est moi qui t'ai suggéré par hypnose subliminale l'idée de brancher une Mega Drive sur une Super Nintendo pour faire exploser ta boutique dans un nuage atomique! Comment? J'ai te soufflé les informations derrière ton rideau de douche tous les matins, Menzaï. Tu pensais que c'était ta conscience? Que nenni! Waouh! Impressionnant! Et très très gênant, hein! Mais pourquoi, Jean-Guy? Tu étais mon meilleur ami! Mais t'as pas vu ton propre film ou quoi? Je suis ton pire ennemi! Je suis le manuel de ton valse, je suis ton phimosis! On dirait bien que mon génie diabolique a eu raison de moi cette fois-ci, c'est la fin. C'est la fin, Benzaï. Je verrai pas la sortie de Pokémon Légende Arceus. Est-ce qu'il y aura une bonne note sur jeuxvideo.com, Benzaï? Promets-le-moi, Benzaï! Jean-Guy, reste avec nous! Je venais juste de trouver enfin un travail honnête! Oui, mes parents étaient fiers de moi, tu sais, Benzaï. Je vendais des formations pour devenir rentier en 25 étapes, Benzaï, ça fonctionne! Ah! Bon, ben disons un travail tout court, mais je me le pardonnerai jamais. Tu sais, Jean-Guy, je dis pas ça parce que la boutique allait couler de toute façon et que l'assurance va certainement me sauver les miches, mais après 100 épisodes, il est peut-être temps de raccrocher le gant. T'en penses quoi, Jean-Guillaume? Jean-Guillaume? Mais... Ah, il est mort, c'est dégueulasse!